Raphaël, tu fais quoi? Le saut. Le saut. Le football. Le football. D'accord. Doucement, doucement. Va au studio là-bas, MC One est là-bas. Allez-y. Faut aller chanter là-bas. Salut la famille, c'est comment? C'est Zouron Kourio, t'as reconnu la voix DJ K. Jevara. Big up à Jean-Jacques Tiako, mon gars sûr, qui est connecté. Et toute la famille. Aujourd'hui, on va parler du coupé décalé parce que je sens le coupé décalé trop divisé. C'est pas normal. Étant donné que je suis le partisan de la non-violence, alors il est temps de parler. Voilà. Donc venez nombreux, connectez-vous, partagez le direct. Et puis on va se parler juste 20 minutes au plus. Et se dire au revoir. Appelez les Chinois, tous ceux qui sont fans de Didier Arafat, venez nombreux les fans de Didier Arafat. Les fans du coupé décalé aussi, venez nombreux. Voilà. Ce direct, c'est pour le coupé décalé, c'est pour l'Afrique, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Je fais pas tellement de direct parce que c'est pas trop mon style, c'est pas mon genre, mais à chaque fois, il faut que le partisan de la non-violence vienne éclaircir certains points. C'est un peu ça. Ok. Ben, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'injures et ça date depuis longtemps. Ça date depuis très longtemps. Ça date pas seulement du décès d'Arafat, du fait du décès d'Arafat, mais ça date depuis longtemps. Il faut qu'on parle de tout ça, il faut qu'on puisse essayer de gérer nos humeurs et nos réactions afin d'avancer et de faire monter le mouvement coupé décalé. D'accord. Donc, big up à tous les Chinois. S'ils ne sont pas encore arrivés, vous allez leur envoyer la vidéo. Ce message, c'est pour les Chinois. Les Chinois de Didier Arafat. La Chine de Didier Arafat. Aujourd'hui, le coupé décalé a mal parce que celui qui est décédé, ce n'est pas quelqu'un de banal. Et même quand quelqu'un de banal décède, ça fait très mal pour dire un des leaders, pour ne pas dire le leader du coupé décalé, Didier Arafat. Il est décédé. Ça nous fait mal, nous tous. Tout le monde est endeuillé. Parce que Arafat, c'était... il avait quelque chose que les autres n'ont pas. Vous savez, quand Arafat a fait sortir le Kwango avec Debordo Likoufa, il y a beaucoup qui ont dit Debordo Likoufa a tué que Didier Arafat. Mais quand le morceau est sorti, qui a eu le succès, qui a eu le nom? C'est Didier Arafat. Parce que Dieu avait sa main sur lui. Quand ils ont fait sortir les Bédés, où Didier Lewis faisait mal avec son son sans Guébé, ils sont allés au studio chez Max Zero pour faire les Bédés. En ce moment, le sang Guébé était en feu. Personne ne pensait qu'il pouvait détrôner ce morceau. Et Arafat est sorti. Ne criez pas victoire. Max Zero au pied. Donc, quand Debordo est rentré, Chibili, tout le monde a dit putain, c'est le top. Mais quand le son est sorti, qui a eu le succès encore? C'est Didier Arafat. Parce que c'était un enfant béni. Et je disais toujours à mes gars, tu ne peux pas forcer le destin. C'est une histoire d'étoile. C'est une histoire de Dieu. C'est une histoire de Dieu donné. Voilà. Aujourd'hui, ce monsieur n'est plus. Et pense que pour le respect de sa mémoire, il faut laisser les histoires, il faut laisser les palabres. Il faut laisser tout ça. Les Chinois, vous savez, Arafat a donné de la valeur à certaines personnes qui ne moussaient même pas, qui ne valaient rien. Mais lorsqu'il les a clashés, ça leur a donné de la lumière. Les projecteurs sont venus sur eux et ils ont eu du succès. Aujourd'hui, ce monsieur-là n'est plus là. Donc, à vous de rester sage dans vos coins et regardez ces personnes. Ces personnes qui disaient que, ouais, Arafat, il vaut rien, ouais, Arafat, c'est ceci, c'est cela. Vous devez laisser ces personnes se débrouiller seules sans Arafat afin qu'ils puissent le regretter. Même tous ceux qui sont contents de sa mort, là, vous devez les laisser comme ça.
et puis dit, bon, toi, tu es content de la mort d'Arafat aujourd'hui, mais tu ne savais pas que c'est Arafat qui te donnait du succès et de la lumière. Aujourd'hui, Arafat n'est pas là. On va voir de quoi tu es capable. C'est cette gamme que vous devez adopter. Mais en clashant ces artistes, en partageant leurs affiches, en les insultant, mais vous mettez encore la lumière sur ces différents artistes. Et puis, ils vont mousser encore et ça va vous faire mal. Au contraire, la bataille d'Arafat, il est parti. Mais vous devez les ignorer. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que vous disiez, mais Arafat, c'est toi qui donnes buzz à tel artiste, n'écoute pas, ne répond pas à tel artiste. Et aujourd'hui, vous les mêmes, vous allez répondre aux artistes, vous allez les clasher, mais vous leur donnez encore de la lumière. Il faut montrer aux yeux du monde que Arafat, c'était un chef. Il est décédé, paix à son âme. Mais vous n'allez plus donner de l'attention à tel artiste ou tel artiste, afin qu'on puisse voir leur vraie valeur sans DJ Arafat. Parce qu'à l'époque, un artiste peut faire un faux son. Dès qu'Arafat met sa gamme sur lui, il commence à faire des directs. Oh, son morceau vaut rien. Regardez comment il a chanté, nanani, nanana. Ça donne de la visibilité à cet artiste et cet artiste fait des millions de vues. Aujourd'hui, ce monsieur qui a donné de la lumière à beaucoup d'artistes aujourd'hui, là, il n'est plus là. Donc, laissez-le comme ça. Vous allez voir qu'ils vont plus mousser et puis vous avez gagné votre bataille. Mais en partant toujours, commentez leur affiche, partagez, faites des trucs, mais vous leur donnez du buzz. Parce qu'aujourd'hui, tu mets une seule affiche d'un ennemi de DJ Arafat, tu vas avoir beaucoup de j'aime. Mais tu mets une affiche d'un de ses amis, c'est le même truc. Parce que vous êtes en train encore de leur donner de la valeur. Et ils vont mousser et ça vous fera mal. Donc moi, le conseil que je vais donner à la Chine ce matin, Arafat était dans une logique, il était dans son game. Vous savez, dans une famille, il y a toujours des histoires. Considérez que le coupé décalé, c'est une famille. Peut-être Arafat, c'est le, pas le grand frère, mais c'est l'un des enfants du coupé décalé. Kedjevara est le frère, Mix est le frère, Claire Bailly est la sœur, Vital est la cousine, Safarel est le dernier petit frère, Ariel Chenet est le cousin. C'est une famille. Et vous-même, dans vos familles là-bas, là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a beaucoup d'histoires dans vos familles. Dans votre famille, il y a des histoires parce que les histoires, ça existe partout. Tu ne peux pas dire depuis que tu es né, tu n'as jamais eu des discours avec ton frère ni avec ta soeur. Les discours, là, il y en a partout. Mais pourquoi lorsqu'il y a des discours dans le coupé décalé, vous vous plaignez? C'est une famille là. On ne peut pas s'entendre matin, midi, soir. Aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, Kedjevara, tu es bien. Tu étais le gars de DJ Arafat, DJ Mix, tu es bien. Mais on a eu des histoires aussi. Beaucoup d'histoires. Même si vous ne savez pas, Arafat et moi, on a eu beaucoup d'histoires. Mais je dis Dieu merci parce qu'au moment où il partait, j'étais ami avec lui. Donc aujourd'hui, tout le monde dit que Kedjevara, tu es bien, tu l'as toujours soutenu. Mais ça pouvait être moi, je pouvais être en palabre avec lui. Et puis il mourait. Ils allaient dire que Kedjevara, tu es son sorcier. C'est pareil pour DJ Mix. Il a eu des histoires aussi avec DJ Arafat. Mais Dieu merci pour lui au moment où Arafat partait. Est parti. Il était en bon terme avec DJ Arafat. C'est pareil aussi pour Claire Bailly. Claire Bailly aussi, elle a eu des histoires à Arafat. C'est une famille. Une famille là, quand on s'aime là, on a des histoires, on a des palabres. Voilà, c'est les gens qui ne s'aiment pas qui ne font pas palabres. Sinon, les gens qui s'aiment là, ils font palabres. Ça ne m'a pas. Dans toutes les familles là, même vous-même qui me regardez là, qui peut lever le doigt pour dire chez vous, en famille, à la maison là-bas, il n'y a jamais d'histoire. Il y a toujours des histoires, mais pourquoi quand c'est pour le couper décalé, vous vous fâchez? Non, Arafat, c'est un frère. Moi aussi, je suis un frère. Mink, c'est un frère. Claire Bailly, c'est notre soeur. Vital, c'est notre cousine. Ariel Chenet, c'est notre dernier petit frère. Le Moula, c'est notre grand frère. Doug Saga Feu, c'était notre grand-père. C'est une famille. Laisse. C'est une famille. Et dans une famille, il y a toujours des histoires. Mais chance pour moi, Kedjevara, au moment où DJ Arafat partait, j'étais ami avec lui. Chance pour Claire Bailly, au moment où Arafat partait, ils étaient en de bons termes. Pareil pour Mix et d'autres. Ça arrive dans la famille, mais cela ne veut pas dire que quand le frère s'en va, c'est ceux qui étaient en palabre avec lui qui l'ont tué. J'arrive. Écoutez, si vous pensez que si les autres savaient que DJ Arafat allait partir le 12, le dimanche, si tout le monde savait que Arafat allait partir le dimanche, tout le monde allait à son concert le samedi. Personne ne savait qu'il allait mourir. Sinon, son concert là, les artistes allaient remplir même depuis la rentrée de Trècheville là-bas.
parce que personne ne savait qu'il allait mourir. Moi-même, je devais être là-bas, mais je me suis dit, oh, moto, moto, tout là, ça continue. Donc, je vais aller faire mon gombo à San Pedro, mon spectacle à San Pedro, et puis je vais venir dans un prochain tour de moto, moto, tout. Heureusement, Mix n'avait pas de spectacle ce jour-là, et il est venu. C'est pas parce que Mix est venu, vous avez dit, non, Mix l'aimait trop. Parce que ce jour-là, Mix ne savait pas qu'il allait mourir le lendemain. Donc, c'était un hasard. Si moi, je savais que Arafat allait mourir le dimanche, mais le samedi, là, j'allais être au concert. Le samedi, Mola allait se réconcilier, lui, il allait être là-bas. Le samedi, Ariel Chiné allait être là-bas. Ça ferait tout le monde allait être là-bas le samedi. C'est parce que c'est un événement tragique qui est arrivé. Personne ne s'attendait à ça. Vous-même, les fans de DJ Arafat, là, le samedi, là, si vous saviez qu'il allait mourir le dimanche, je pense que le samedi, vous allez vous déplacer, vous tous, là-bas. Mais il y a d'autres qui ne se sont pas déplacés parce qu'ils se sont dit « Moto, moto, tout, ça continue, il y aura Abobo, il y aura Makori, il y aura San Pedro, il y aura Trècheville, il y aura Kumasi. » Donc, on prend notre temps, forcé, il viendra. Personne ne savait qu'il allait mourir. Donc, parce que vous n'êtes pas venu... C'est bon. Je fais une vidéo, hein. Parce que vous n'êtes pas venu à son moto, moto, tout du samedi et puis il est décédé le dimanche, ils vont dire que les Chinois, là, ce n'est pas les vrais Chinois. Attends, va, je suis en train de faire une vidéo. Voilà, va. Après, tu veux. Est-ce qu'ils vont dire que les Chinois qui ne sont pas venus au moto moto tour du samedi sont des faux Chinois? Non, vous êtes des vrais fans, mais vous ne saviez pas que c'était son dernier concert. Peut-être vous aviez des choses à faire et autres. Vous voyez? Donc, c'est un malheur qui est arrivé au coupé décalé. Et vous savez que Arafat, c'était son style. C'était un gars qui était un bad boy. Il était provocateur. Arafat, c'était un provocateur. Et vous-même, vous savez. Donc, arrêtons les hypocrisies. C'était un provocateur, c'était son style. Et c'est ce style qui a fait que, de nous tous, c'était le plus connu. Donc, c'était sa marque de fabrique. Mais en faisant cette marque de fabrique, non, c'est évident que tu fâches d'autres personnes, que tu sois en palabre avec d'autres personnes. Mais ils allaient se réconcilier à la longue. Parce que Arafat fait palabre avec quelqu'un. Dans un mois, il fait vidéo pour dire, bon, c'est mon frère, les gens ont voulu nous mettre en palabre, mais tout est réglé, les fans, c'est la famille. C'est des choses qu'il faisait tout le temps. Mais si aujourd'hui, il était en palabre avec tel type, et puis il est décédé, n'en voulez pas à cette personne. Concentrez-vous sur vos objectifs. Doucement, Raphaël. Ne les regardez plus. Les artistes que vous ne sentez pas, ne les regardez plus. Les artistes que vous ne sentez pas, ne les considérez plus. Parce que si vous les considérez, ça va leur donner du buzz et puis ils vont mousser. Voilà. N'allez pas à leur concert si vous ne voulez pas partir. Ne téléchargez pas leur son. Et vous devez mettre la pression sur la Yoro Gang et Maman Tina Glamour afin qu'ils fassent un concours de sosie officiel de DJ Arafat. Sosie officiel DJ Arafat qui lance le concours sur toute l'étendue du territoire. Comme ça, tous ceux qui ressemblent à DJ Arafat, la Chine va voter. Voici le sosie officiel qu'on a choisi. Et c'est ce sosie-là qui va prester sur Congo, accompagné des managers, des danseurs de DJ Arafat. Là, le sosie peut prendre 20%. La famille de la Yoro Gang peut prendre 30% des cachets et puis la famille peut prendre 50%. C'est ça votre combat. Parce qu'actuellement, vous laissez Kong là. Tout le monde est en train de prester ça en désordre dans les petits maquis, dans les petits bars et puis ça va finir comme ça. Il faut vous organiser. Il faut mettre la pression sur la Yoro Gang et sur les Chinois afin qu'ils puissent faire un concours de sosie DJ Arafat avec un sosie officiel. C'est lui seul qui a le droit de prester sur le son de DJ Arafat. Vous signez un contrat avec lui en présence de la famille de Carmen, sa femme et sa maman, avec des huissiers. Ou sur un spectacle, le sosie à 20%, la Yoro Gang à 30% et puis la famille à 50%. C'est ce qu'il faut faire. Laissez les artistes en palabre avec DJ Arafat parce que plus vous parlez d'eux, plus vous mettez le projecteur sur eux encore et puis ils vont mousser encore et ça va vous faire mal. C'est pas important. Dans une famille, il y a toujours des palabres. Et quand il y a des palabres, souvent, un frère meurt. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as tué. Arafat, là, c'est vrai qu'il avait du succès, mais il n'a pas eu le succès que Alpha Blondie. Pourquoi tout le monde va lui en vouloir? C'est parce que lui aussi, il a eu à faire des choses qui n'ont pas plu à certains. Au début, nous, on n'avait pas de sponsor. Le premier artiste à avoir un sponsor
c'est DJ Arafat. Il a eu Move. Il était le seul artiste à avoir Move. Le premier artiste à passer sur Trace TV, c'est DJ Arafat. Le premier artiste à avoir les MTV, c'est DJ Arafat. Mais si aujourd'hui, eux tous, il avait abandonné et puis il a fini seul, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Et ces problèmes-là, ça pouvait se régler. Mais malheureusement, la mort l'a trouvé dedans. C'était Ivoire TV qui était ami avec lui et puis il est décédé. Mais ça veut dire que s'il ne mourait pas et puis dans un mois, il faisait pas l'ab avec Ivoire TV et puis il mourait, vous allez dire que c'est Ivoire TV qui l'a tué encore. Non, il y a eu des problèmes. Et il faut tirer les conséquences et puis aller de l'avant. Donc moi j'ai dit aux Chinois de faire le concours des sosies officielles de DJ Arafat. Choisir celui qui va prester sur tous les sons de DJ Arafat. Aller organiser des concerts au Burkina, au Sénégal, en Guinée. Et donner la force à ce sosie pour que ce sosie puisse mousser même que ces artistes qui étaient en palabre avec lui. Comme ça vous direz que malgré la mort de DJ Arafat, mais même son sosie mousse tel artiste. Malgré la mort de DJ Arafat, même son sosie même là, c'est-à-dire il n'est plus vivant, hein, mais son sosie même vous avez choisi là, vous lui donnez de la force même, puisque tel ou tel. Si vous ne voulez pas partir au conseil de DJ de Ariel Chené, ne partez pas, parce que c'est votre droit. Vous êtes libre de choisir. Mais le fait de beaucoup parler de cette histoire, de polémiquer, vous lui donnez de la force. Et ce n'est pas ça. Pour ne pas donner de la force à quelqu'un, c'est de l'ignorer. On met une affiche de Debordo Likoufa. Vous ne voulez pas partir, ne parlez pas de cette affiche, ne partagez pas. Il va taper son poteau et puis c'est pour lui seul. Mais le fait de parler de ça, c'est lui donner de la force. Vous pensez que si Debordo savait qu'Arafat allait mourir le dimanche là, le samedi il n'allait pas être à son concert? Mais il allait être à son concert pour prendre ses fans, pour dire que oui, Debordo était là le dernier jour et puis Arafat est décédé. C'est parce qu'il ne savait pas. Ils étaient dans le game. Dans le game, si tu me dis que je vais aller à ta mère con, moi aussi je vais te dire ta mère con. Mais ce n'est pas parce que tu as dit ta mère con et puis demain tu es mort que je suis ton ennemi. Non, c'était le game, c'était leur game, c'était leur truc. Donc, laissez ça et puis arrêtez. La Chine, vous voulez donner la force là. Ne regardez plus les artistes qu'Arafat a donné de la force et puis ils sont devenus des Michael Jackson. Parce que je vais vous dire, Arafat, quand tu es assis dans une boîte de nuit à l'époque avec DJ Arafat, tu as l'impression que c'est lui l'artiste et toi tu n'es pas un artiste. Parce que où il fait 100 photos là, toi tu fais même pas encore 2 photos. Où il signe 200 autographes là, toi peut-être il signe 5 autographes. C'était quelqu'un de beaucoup aimé. Mais bizarrement, quelqu'un de beaucoup aimé, tous les week-ends, toi où tu as 10 spectacles, lui il a un seul spectacle. C'est vrai, même si son un spectacle là, c'est beaucoup que pour nous tous. Mais c'est important pour un artiste de bouger. Parce que quand tu es seul et tous tes collègues sont allés en prestation, ça fait un peu mal. Et tout ça, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à lui-même. C'est ça qui l'a rendu populaire. Ça a été un mal pour un bien. Ok? Si Wozo Vacances savait que Arafat allait mourir le dimanche, Wozo Vacances allait faire spécial année Wozo Vacances DJ Arafat avant son décès. Arafat, c'était l'artiste le plus imité de Wozo Vacances. Ceux qui ne savent pas, la renseignez-vous. Dans les 2012, 2013 jusqu'à 2016, là, c'était l'artiste le plus imité de Wozo Vacances. Mais si Wozo Vacances a décidé de le fermer, c'est qu'il y a eu des problèmes. Donc, les problèmes font partie de la vie de tout le monde. Arafat, quand il est venu ici en Côte d'Ivoire en 2006, tout le monde était à côté de lui. Moi, j'étais là. Debordo était là. Baby Philippe était là. Claire Bailly, DJ Rodrigue, DJ Lewis, nous tous, nous étions derrière lui. Mais si en 2019, il s'est retrouvé lui seul, c'est pas parce que son talent là, c'était trop que pour les autres. Sinon, Alpha Blondy là, il allait vivre sur les montagnes à Mans là-bas parce que lui, son talent là, il sait pas qui a, son succès là, il sait pas qui a eu ça. C'est pas par jalousie. Sinon, Asalfo, Gao Production, c'est 10 d'or il a eu là, il allait vivre, il n'allait pas vivre aux deux plateaux. Le père Asalfo peut-être allait vivre sur une île à l'île Boulay là-bas lui seul parce que tout le monde est jaloux de lui. C'est vrai que le succès crée des jalousies, mais pas autant. Pas autant. Il y a eu des problèmes. Il y a eu il y a eu des incompréhensions, malheureusement, qui n'ont pas été réglées.
jusqu'à son décès. Des incompréhensions qui n'ont pas été réglées jusqu'à ce qu'il parte. Parce que si ça avait été réglé, vous pensez que si Didier Arafat envoie un document ou bien envoie 10 dossiers dans 10 sociétés pour sponsoriser son concert, les 10 sociétés vont accepter parce que c'était l'artiste le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Il a près de 3 millions d'abonnés sur sa page. Mais si toutes les sociétés refusaient, c'est parce qu'il y a eu des problèmes qui n'ont pas été réglés. Aujourd'hui, moi, que je vais envoyer dossier dans 10 sociétés, au moins 7 vont accepter. Mais pourquoi lui, qui est le plus populaire, il envoie et puis tout le monde accepte? Parce que les sociétés, là, ils ont quoi à foutre avec Moula? Ils s'en foutent de Moula. Moula, c'est qui? Moi, je suis en parlant avec Moula, mais je ne fais pas son primude, là. Avoir du coupé de Calais, je ne fais pas. Mais quand je vois Moula, on se salue, on se cause. Quand j'envoie mes dossiers, là, mes sponsors sont là. Je vais poster l'affiche de mon concert du 30. Vous allez voir, il y a près de 15 sponsors. Tout le monde est là. Moula, il est qui pour téléphoner, pour dire non, il ne faut pas sponsoriser lui là. C'est la plaisanterie. Il y a eu des problèmes avec les promoteurs de spectacle, avec des sponsors, avec des télévisions, avec des radios, avec plein de choses que vous-même les fans, au lieu de chercher à régler, vous n'avez pas cherché à régler. Certains ont encouragé ça jusqu'à ce qu'ils partent. Aujourd'hui, il est parti. Vous voulez encore faire de la visibilité à ceux que vous dites qui étaient ennemis à Didier Arafat. Mais ce n'est pas comme ça. Moi, je fais cette vidéo, je ne vous dis pas d'aller au concert d'Ariel Chené, ni de Debordo, ni de ceci, ni de cela. Je m'en fous. Je n'ai même pas besoin de faire la promotion de quelqu'un. Parce que vous aimez semer la division. Aujourd'hui, tu partages une affiche. On te dit, pourquoi tu n'as pas partagé l'affiche de tel artiste? Mais si tel artiste ne t'a pas envoyé son affiche, tu as partagé pourquoi? C'est amitié, tu cherches ou bien? Aujourd'hui, tu fais une vidéo pour dire bon, aller au concert de tel. On dit non, mais pourquoi tu n'as pas fait pour lui là aussi? Mais si tu ne me dis pas de faire, je ne fais pas, ou bien c'est amitié, je cherche. Donc arrêtez de semer la division. Restez concentré, la Chine. Faites pression sur Landry depuis Agban, sur Maman Tina Glamour, sur toute la Eurogang, afin qu'il puisse, à mon avis, faire un concours de sosie officiel Didier Arafat que vous-même vous allez choisir. Et ce sosie-là, il va signer un contrat avec des huissiers. Ou peut-être il aura 20% sur les spectacles. Et les huissiers, les danseurs peut-être auront 30%. Et puis voilà quoi. La famille aura 50% comme ça. Kong aura du succès. Et puis quelqu'un pourra prester sur Kong. Parce que si ça reste comme ça, les gens vont prester en désordre partout. Et puis le mouvement va s'éteindre. Donc... c'est un peu ça. C'est un peu ça. Restez concentré. Restez concentré, la Chine. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes encore en train de donner de la visibilité aux ennemis de Didier Arafat. Il est parti montrer aux ennemis que c'est Didier Arafat qui vous donnait de la visibilité. Nous, là, on ne vous regarde plus. Tout ce que vous faites, on ne partage plus. Tout ce que vous faites, on n'aime plus, on ne commande plus. Vous les laissez comme ça. Et vous donnez la force au sosie de Didier Arafat que vous allez choisir. C'est-à-dire, même le sosie mousse même que toi, tu pensais que tu étais son concurrent. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas être très long. Je sais qu'il y a forcément des gens qui ne vont pas comprendre parce que dans le coupé décalé, ce n'est pas de notre faute. Ça appartient à des gens souvent qui ne sont pas trop matures, qui sont un peu toc-toc. Mais on accepte ça. Hein? Partagez au maximum, c'était mon point de vue. Ne regardez pas les histoires, les palabres. Les palabres, ça existait, c'était pas du buzz. Ça existait bel et bien. Mais, dans une famille, là, vous-même qui me regardez, dans vos familles, là, vous parlez à tout le monde. C'est pas parce que tu parles pas à ton cousin, et puis ton cousin est mort, tu as dit non. Et il parlait pas à lui, c'est lui qui l'a tué. Ça existe. Donc, si vous êtes fâché que telle personne était en froid avec lui jusqu'il est décédé, ne lui donnez pas de la visibilité. Parce que, en le critiquant, en l'insultant, en le traitant de ceci, de cela, en disant, maître, on ne va pas à son concert là. Il y a d'autres qui apprennent qu'il est en concert. C'est-à-dire le fait de dire à quelqu'un, ne va pas à son concert, la personne va se dire, ah, donc il avait un concert. C'est comme ça. C'était mon mot. Et puis bon, big up à ceux qui vont comprendre, ceux qui ne vont pas comprendre aussi. Ça, c'est à votre niveau. Mais c'était mon point de vue. Arafat était l'artiste le plus sponsorisé. Nous, quand Arafat avait les sponsors là, nous, on était à la maison ici, on mangeait à checker poisson fumé, puis on regardait. Arafat est l'un des premiers artistes à chanter pour les éléphants.
sponsorisée, tout publicité, panneaux publicitaires partout. Mais si aujourd'hui Arafat s'est retrouvé sans panneaux publicitaires, c'est qu'il y a eu des problèmes qu'il fallait régler. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu régler et puis il est parti. Aujourd'hui, moi, que je vais là, je ne peux pas déposer des dossiers et puis je vais avoir des sponsors. Et puis Arafat va déposer, il ne va pas avoir des sponsors. C'est parce qu'il y a eu trop de problèmes qu'il fallait régler. Il y a eu des problèmes avec certains artistes. Moi, si je vous explique ce que Didier Arafat m'a fait, peut-être vous allez dire, mais Kejivara, tu es bête, hein? Donc, il t'a fait tout ça. Donc, il t'a fait tout ça, et puis tu parlais à lui. Non, parce que le cœur de Kejivara n'est pas le cœur de Bordeaux. Le cœur de Bordeaux n'est pas le cœur de Claire Bailly. Le cœur de Claire Bailly n'est pas le cœur d'Ariel. Chacun a son cœur. Et puis, chacun avance tout doucement. Je ne donne pas raison aux artistes qui ne parlaient pas à lui, parce que dans la vie, même quand quelqu'un te fait du mal, il faut pardonner. De ne jamais pardonner à Didier Arafat jusqu'à leur mort. Et ça, c'était...